Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous invite à déjà vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à toutes les anciennes personnes qui ont été toujours là et qui m'ont toujours soutenu. C'est un mot de love avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. En tout cas, je vous comble. Et puis, nous sommes partis pour aller voir ce que te réserve ce vendredi, d'accord? Qu'est-ce que ce vendredi-ci te réserve et comment est-ce que tu vas déjà te porter, hein, d'accord, face à ce que ça te réserve. On te parle ici de quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui stoppe, hein. Ici, c'est comme si on appuie sur le bouton stop. Il y a un bouleversement majeur ici qui arrive, hein, ce vendredi-là, d'accord. Il y a un bouleversement majeur qui arrive là dans votre vie et ça risque, c'est quelque chose en fait qui risque de vous faire mal, qui risque de vous faire vraiment péniblement mal, mais qui vous propulse vers quelque chose de beau en fait. Vous voyez, c'est comme si vous sortez d'une situation peut-être à laquelle vous vous accrochez, mais qui n'est pas la bonne et qui n'a jamais été la bonne, d'accord? Mais que vous vous pensez comme étant la bonne. Vous voyez, vous sortez de cette situation pour aller vers une autre situation qui serait la meilleure pour vous. Mais le fait qu'on va vous enlever cette situation dans laquelle vous étiez déjà, ça risque de vous faire mal parce que vous allez penser que, en fait, c'est comme genre vous êtes en train de tout perdre. Vous voyez ce que je dis? C'est comme genre tu avais déjà un boulot, tu avais déjà un travail. Et ça, en fait, tu as du mal, tu as des difficultés, tu as trop d'obstacles dans ce travail-là. Difficilement tu t'en sors par rapport à ce travail-là, c'est pénible pour toi. Et tu pries l'univers, tu vois, de toujours améliorer ce travail-là pour toi. Parce que ici, tu te dis que tu n'as plus la chance de saisir d'autres opportunités ou bien d'autres travails, peut-être c'est possible, d'accord? Et puisque toi, tu pries l'univers que ici, on te vienne en aide, alors qu'est-ce qu'on fait? On bouleverse la situation et tu arrives au travail et tu as déjà en fait une lettre de licenciement. Tu vois, ici, tu as déjà une lettre de renvoi, où on te renvoie, alors qu'en réalité, tu n'as pas autre chose tout de suite sous la main. Tu vois, tu n'as pas autre opportunité là tout de suite sous la main. Et ça te bouleverse. Ça te bouleverse très, très, très gravement parce que tu vas te dire, non, mais comment est-ce que tu vois l'univers me permettre ça? Je n'ai rien d'autre. Et puis, le seul que j'ai encore, tu vois, on me l'enlève. C'est parce que justement, celle-là ne te convient pas. C'est parce que justement, celui-là ne te convient pas. Et ici, il faudrait qu'on te l'enlève pour pouvoir maintenant t'amener la bonne ou bien le bon, en fait. D'accord? Donc, du coup, ça pourra te bouleverser, mais c'est un mal pour un bien, d'accord? Donc, du coup, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va stopper, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a une situation, il y a une relation, vous voyez ce que je veux dire? Il y a en fait quelque chose ici qui stoppe, qui s'arrête, parce que là, trop, c'est trop, on en a marre, d'accord? Ça peut être un problème financier, d'accord? Ça peut être un problème financier. Ça peut être une situation financière, d'accord? Ça peut être ici un engagement, hein? Soit on te fait une proposition financière qui ne te conviendra pas, d'accord? Ou bien on te devait, tu vois? Peut-être que quelqu'un te devait et puis subitement, tu vois, cette personne n'assume pas, hein, ses promesses vis-à-vis de toi. En tout cas, il y a une situation ici où tu vas, c'est toi, les ressentis que j'ai là, c'est toi-même qui mets un stop à ça. Hein, ouais, parce que là, tu ne peux plus continuer comme ça, tu ne peux plus avancer comme ça, tu te dis non, en fait. Il va falloir que tu saisisses autre opportunité si tu tiens à toi. En tout cas, ici, c'est une nouvelle. C'est grâce à une nouvelle que la situation va se faire. C'est-à-dire que quelqu'un vient vers toi ou quelque chose viendra vers toi. D'accord? Tu vas avoir écho de quelque chose. Et c'est suite à ce quelque chose-là que tu vas te dire non, 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 non. D'accord? Non, non, non. Mais pour la majorité ici, ça peut être un travail qui s'arrête, hein, d'accord? Parce que là, il y a un licenciement là, d'accord? Ça peut être une opportunité, ça peut être quelque chose sur laquelle vous comptez énormément. Ça peut être pour d'autres personnes, ça peut être une relation sentimentale, hein, d'accord? Peut-être que vous comptez sur une personne et vous pensez fortement à ce que vous voyez cette personne-là revienne vers vous, ou que cette personne vienne vers vous, et puis voilà, vous allez vous dire non, stop, je ne veux plus. Non, stop, je ne tiens plus à cette personne. Non, stop, vous voyez. Et pourtant,
Il ne faut pas quand même des fiançailles, hein, d'accord? Donc, ça peut être une rencontre, hein, ça peut être une rencontre qui vient vers vous, on vous fait une invitation, peut-être on vous propose un voyage, une sortie, et puis vous, c'est mort pour vous, hein, c'est mort pour vous parce qu'en réalité, vous constatez que c'est comme genre, on veut profiter de vous. Hein, d'accord, c'est comme une personne, tu vois, à qui tu tiens tellement à cette personne. Je dis n'importe quoi. Tu tiens tellement à cette personne. Tu attendais vraiment, tu vois, les nouvelles de cette personne. Et lorsque cette personne te donne cette nouvelle, c'est pour te dire, ben écoute, tu sais, je viens te faire une proposition. Nous allons voyager peut-être aussi, tu vois, dans tel pays et, ou bien dans tel restaurant, tu vois, pour aller passer du bon moment ensemble. Et pour ça, tu vois, ça pourra nous coûter peut-être, 500 euros, ça pourra nous coûter peut-être 2000 euros. Et moi, j'ai pas les moyens pour le moment et je préfère, je te propose, en fait, tu vois, cette sortie, mais c'est toi qui assumes, tu vois, les frais financiers. C'est toi qui les assumes, hein, tu vois. C'est un truc comme ça. Et puis, toi, ça va te taper sur la tête, ça va te taper sur les nerfs, tu vas te dire, non. Dans le passé, tu m'as déjà fait ce sale coup-là, tu vois. Et puis, tu reviens encore me faire non, je n'accepte pas, je ne veux pas, je préfère, tu vois, abandonner même cette relation parce que ça me saoule même déjà, ça m'énerve. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous donne un exemple comme ça hein, pour que vous compreniez un peu ce que je veux vous dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui, regardez, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous attacher comme ça à lui, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui veut vous serrer, en fait. C'est quelqu'un qui veut, en fait, s'envoler avec vous. Vous voyez? J'ai envie de m'envoler avec toi. J'ai envie de voyager avec toi. J'ai envie de partir avec toi. J'ai envie de trouver, tu vois, un argument, tu vois, un argument pour t'amener loin. Ouais, parce que là, je réalise que, tu vois, ça ne passe pas entre toi et moi. Je réalise que, tu vois, que c'est comme si c'est moi qui t'aime, hein. C'est comme si c'est moi qui tiens à toi. C'est comme si c'est moi, tu vois, qui souffre de ce que je ressens pour toi, hein. Et puis, ben voilà, toi, tu ne comprends pas forcément, tu vois, mes efforts. Tu ne fais pas non plus d'efforts. Et donc, pour ça, tu vois, je vais trouver la bonne stratégie là, tu vois, pour te faire envoler dans un lieu ou dans un autre pays ou dans une autre ville où tu vois je pourrais avoir la possibilité d'avoir la même mise sur toi où je pourrais avoir la possibilité de pouvoir te dire mes quatre vérités, hein, d'accord. Donc du coup ici c'est comme une situation comme ça là qui arrive pour vous ou qui arrive vers vous, mais vous êtes vraiment sur votre position, hein. vous voulez pas vous mêler dans des trucs qui vont encore vous blesser. Non. Déjà, ça a été et puis bon, on ne veut pas. Et pourtant, tu vois, on voit que cette personne-là est dans de belles énergies. C'est quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui tient vraiment à cette stabilité-là avec vous, à cette construction avec vous. C'est quelqu'un qui vient quand même positivement. C'est quelqu'un qui vient aussi, vous voyez, dans une énergie de « je serai stratège », quoi. Ouais, dans une énergie de « je vais être très stratège pour pouvoir résoudre le problème qu'il y a entre nous. Je vais être très stratège pour pouvoir mettre les choses en ordre entre nous. » Tu vois, c'est quelqu'un qui trouve, ou bien c'est quelqu'un avec qui vous avez de petits malentendus pour le moment, ou bien vous avez des soucis avec cette personne. En tout cas, quelque chose ne passe pas forcément entre cette personne et vous. D'accord? Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une situation professionnelle. Hein, d'accord? Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une situation professionnelle, peut-être entre votre patron et vous, ou bien ici entre les collègues et vous, d'accord, un truc comme ça, et vous, en fait, vous mettez fin parce que vous ne supportez plus, hein, vous n'y arrivez plus, et puis un truc comme ça, hein, essayez de vous retrouver dans le sujet si ça ne vaut pas. Mais la majorité ici, on va en parler quand même ici d'une situation sentimentale, d'accord, et puis on te dit quand même le retour de cette personne vers vous, hein, d'accord, c'est un cadeau divin. D'accord, c'est une offre de l'univers pour vous. Et puis on vous dit c'est une chance à saisir. Hein? Voilà, regardez, il y a beaucoup de sentiments quand même. Hein? D'accord, donc du coup, ça me parle ici d'une personne qui est quand même dans de belles énergies. Hein? D'accord, une personne qui sait ce qu'elle veut. En tout cas, on voit la réconciliation. Donc c'est quelqu'un qui souhaiterait vraiment se réconcilier avec vous. Et peut-être que cette personne ne va pas passer par la... les bonnes, je sais pas,
peut-être que cette personne n'a pas la bonne manière de faire les choses. C'est quelqu'un qui sera un tout petit peu bizarre, vous voyez. Ouais, quoi. Et ça ne va pas vous plaire. Hein? Ça ne va pas vous plaire, son comportement-là. Oui, hein? On va aller voir un peu plus en détail ici avec l'oracle des miroirs. Alors déjà, ouais, vous aurez des nouvelles. Hein? Vous aurez des nouvelles de la part de cette personne-là. Il y a une personne qui arrive. D'accord? Il y a une personne là qui arrive. Cette personne viendra. C'est une personne qui veut cette fois-ci vous attacher. Comment je peux vous dire ça? C'est une personne cette fois-ci veut trouver la bonne manière, la bonne stratégie de vous mettre dans son énergie pour toujours en fait. Ce n'est pas que je veux simplement apporter la réconciliation, non. Ce n'est pas que je veux résoudre simplement le problème qu'il y a entre nous et ça s'arrête là, non. C'est quelqu'un qui va au-delà, en fait, de cette réconciliation. C'est quelqu'un qui veut trouver la bonne stratégie. C'est même une personne, vous voyez, qui est capable de vous dire, tu sais, je connais une personne spirituelle, tu vois, et qui m'a demandé de t'amener vers lui parce que ici, tu vois, cette personne veut vraiment résoudre le problème qu'il y a entre nous. Et alors qu'en réalité, dès que vous arrivez là-bas, c'est peut-être que cette personne spirituelle s'est entendue avec lui, tu vois, pour vous faire des magies ou bien pour vous faire en fait ici des rituels ou bien pour faire des choses sur vous afin que vous devenez en fait son béni, oui, ou bien que vous soyez à ses pieds en fait, d'accord? Ou soit c'est une personne, ouais, c'est une personne qui va trouver une stratégie là, il y a une stratégie là, d'accord, que cette personne aimerait mettre en place, mais en réalité ce n'est pas de façon négative. Comprenez ce que je dis? Cette personne va agir comme ça parce que cette personne sait agir, ne sait qu'agir comme ça. C'est une personne peut-être qui est un peu néfaste, d'accord? Et qui ne connaît que, tu vois, ce chemin pour pouvoir avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, cette personne va agir un peu de façon néfaste. Et puisque vous êtes de la lumière, vous allez avoir peur hein, de son comportement. Et vous allez vous dire, non, si c'est ça, je ne veux plus de lui. Si c'est ça, je ne tiens plus à ça. Si c'est ça, je mets un fin. Si c'est ça, tu vois, je me mets le pas. Ouais, quoi, on veut mettre un stop, on dit non, quoi. C'est la mort, hein. ce n'est même pas que oui, je veux revoir, je veux analyser. Non. Hein. Et pourtant, la situation, elle est positive, hein, mes amours. Je peux vous dire vrai, là. Et pourtant, oui, la situation, elle est positive. C'est-à-dire que cette personne, à vrai dire, ce qu'elle est en train de dire, hein, c'est sincère. Il y a du succès. D'accord? Il y a du succès. Et enfin, vous pouvez quand même avoir de l'espoir. Hein? Il ne faut pas que ça vous frustre. Il ne faut pas que ça vous déstabilise. Il ne faut pas, parce qu'ici, vous voyez, dans le passé, il y a eu vraiment beaucoup de mal hein, avec cette personne. Ouais. Donc, du coup, on va aller plus en détail ici. Je vais aller comprendre encore un peu plus ce qu'on est en train de vouloir vous faire savoir ce vendredi. Alors, ici. D'accord, je vois une certaine frustration, une certaine peur. C'est ça qui vous amène à dire stop, je ne veux plus. D'accord? Ouais, vous avez peur de revivre la même chose. Vous avez peur de ne pas pouvoir en fait, c'est pas être à la hauteur. Vous avez peur que cette personne ne soit plus ou bien ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle vous, ouais, ce qu'elle vous annonce en fait. Vous voyez? Ouais, un truc comme ça, ici. Et pour d'autres personnes ici, on vous parle quand même ici de ce que, si vous pouvez admettre, d'accord, le retour de cette personne, il y a une abondance qui va suivre ça pour vous. Hein. Il y a une abondance qui va suivre ça pour vous. À partir du moment où vous acceptez le retour de cette personne, il y a une grande porte financière ici qui va s'ouvrir pour vous. Et on vous dit que ce que vous avez semé, on va vous le faire récolter. On vous dit que vous le méritez. J'entends chômage. On me dit ici, c'est bizarre. C'est comme genre, jusqu'à présent, vous avez un mal financier. Ou bien ici, vous ne vous en sortez pas forcément sur le plan financier. On vous dit que c'est cette personne qui est votre abondance financière. À partir du moment où cette personne s'engage avec vous, des portes vont vous s'ouvrir sur le plan financier et les portes vont s'ouvrir pour cette personne. Sinon, vous voyez, tous deux, vous risquez de vous retrouver, tu vois, au chômage. Ouais, c'est ça. Ben voilà.
Alors, donc, du coup, ici, il y a vraiment cette notion de ce retour. Hein. Il y a cette notion de ce nouveau départ-là. Il y a cette notion de cette construction-là, de ce projet-là qu'on veut vraiment mettre en place avec vous. D'accord? Donc, il y a la naissance de quelque chose ici, vous voyez, qu'on veut vous proposer, tout simplement. Hein? Donc, ouais, quoi. Je vois que pour le moment, vous, ça va vous déstabiliser un peu. Hein? Vous, vous n'êtes vraiment pas prête pour ça, ou bien vous n'acceptez pas les comportements, ou bien les attitudes, vous voyez, de cette personne, hein, afin que vous ayez ce que lui pense. Ou bien, ouais, quoi. C'est quelqu'un qui pose peut-être un acte que vous vous dites, non, mais cette personne, en fait, me prend pour qui? Tu vois, vous allez recevoir peut-être des nouvelles de cette personne. Ça peut être des nouvelles inattendues. Vous ne vous y attendez pas, d'accord? Ou ça peut être même une personne qui passe par d'autres contacts, vous voyez, pour pouvoir vous joindre. Hein, des contacts sur des contacts pour pouvoir vous joindre afin de pouvoir se rapprocher de vous. Ou c'est une personne qui commence déjà à vous présenter ses excuses hein, via les réseaux sociaux. Peut-être ici, tu vois, avant de pouvoir se rapprocher de vous. C'est une personne qui veut quelque chose au-delà de la réconciliation. Vous manquez énormément à cette personne. Hein. C'est une personne qui ne supporte plus. Hein. Ça fait depuis un moment que vous ne vous voyez plus, depuis un moment que vous ne vous entendez plus, depuis un moment que vous ne vous rapprochez plus l'un de l'autre, depuis un moment où que, tu vois, on ne se serre plus dans nos bras. Hein. Donc, du coup, ça manque. Ça manque et ça fait du mal. Hein. Et c'est pourquoi cette personne veut fonctionner comme ça. C'est pourquoi cette personne va chercher à trouver cette stratégie-là qui peut-être ne vous fera pas du bien à vous, hein, d'accord? Et pourtant, on vous dit, restez tranquille, hein, soyez tranquille face à cette opportunité-là qui vient pour vous. Vous allez voir que ça va déclencher les choses, ça va amener une certaine rapidité. Vous voyez, à partir du moment où vous acceptez en fait cette opportunité-là, ça va ouvrir une porte pour vous très rapidement. Regardez-moi ça. Ouais, quelque chose va s'arrêter quand même. Ouais, vous allez prendre la décision d'arrêter quelque chose. Et on vous conseille aussi d'arrêter quelque chose. D'accord? Je ne ressens pas comme énergie de ce qu'on vous conseille de stopper, voyez, ou d'arrêter cette personne. Ou d'arrêter cette opportunité, non. Mais juste qu'on vous dit que peut-être que cette personne a changé de comportement. D'accord? Oui, cette personne a changé de comportement. C'est une personne qui a changé peut-être d'attitude, vous voyez. Ce qui vous fait peur au jour d'aujourd'hui à vouloir s'engager avec cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a laissé tomber. Oui, c'est ça. Cette personne, en réalité, c'est peut-être quelqu'un qui était dans un engagement et vous le savez, hein, d'accord? Et c'est ça peut-être qui faisait que vous ne voulez pas. D'accord? Et puis, cette personne revient dans votre vie, mais comme c'est une personne un peu égoïste, ou bien, tu vois, qui sait parler d'une manière ou d'une autre, peut-être que dans ses propos, tu vois, c'est quelqu'un qui risque de vous faire savoir comme Jean, il est toujours bien, elle est toujours, tu vois, dans cet engagement, alors qu'en réalité, c'est pas vrai, c'est déjà fini. Cette personne a tout stoppé déjà, a tout arrêté. Et vous, ça risque de vous faire dire non, 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 non. Et c'est quelqu'un aussi qui peut vous tendre un piège, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous dire, ben, tu sais, je suis bien dans un engagement. Tu le savais, donc du coup, je reviens dans ta vie, je veux qu'on vous fasse la paix, qu'on essaie de faire la paix, mais que tu sois peut-être la deuxième dans ma vie, ou bien la troisième dans ma vie. Et puis, à partir du moment où cette personne vous dit ça, vous allez dire quoi? Plus jamais, à bon jamais. Je mets une stop. Parce que là, c'est quelqu'un qui ne veut pas se réveiller, alors qu'en réalité, tu vois, c'est quelqu'un qui veut juste t'énerver. C'est quelqu'un qui veut juste t'énerver alors qu'en réalité, tout est réellement arrêté dans la vie déjà de cette personne. Donc, du coup, le conseil qu'on te donne, toi, face à cette personne, c'est vraiment d'être... Ici, c'est d'être vigilant et de ne pas te laisser emporter, tu vois, par les énergies de cette personne. Ne te laisse pas emporter par ces énergies. C'est peut-être une personne qui pourra t'accuser à tort et à travers. C'est une personne qui pourra te porter des jugements. C'est une personne qui pourra te coller peut-être de quelque chose dont tu n'en as pour rien. D'accord?
Et tu risques de dire non, mais en fait, si cette personne fonctionne comme ça, moi, je ne peux pas continuer à rester dans une situation où on m'accuse à tort et à travers, alors qu'en réalité, je n'en ai pour rien. Hein, d'accord? Tu vas, ouais, quoi? Tu vas préférer t'en éloigner. Hein, tu vas préférer, ouais, parce que ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas ce comportement-là, cette attitude-là, ou bien cette situation-là. D'accord? Alors, si toi, tu penses que tu vois que ce que cette personne t'apporte ne te fait pas du bien et que tu as besoin de te reculer pour le moment, de prendre du temps pour le moment, ben, n'hésite pas. N'hésite pas parce que tu seras vraiment très, très victorieuse face à cette situation si réellement tu poses cet acte, tu vois, de faire un retrait et de comprendre réellement la situation avant vraiment de t'engager. Ça te fera du bien aussi, d'accord? Ouais. Ah, donc, du coup, le conseil pour toi, c'est que c'est vraiment un cadeau de l'univers pour toi. C'est une offre vraiment qu'on vient te faire, hein, d'accord, par rapport à cette situation. C'est peut-être une situation qui va t'amener à comprendre quelque chose de plus ou bien à aller au-delà de tes compréhensions par rapport à cette personne ou bien par rapport à cette relation. Tu vas, en fait, ici te rendre compte de la réalité d'une situation, d'accord? Et donc, du coup, la situation pourra être bouleversante juste pour ta mener à une autre étape supérieure de la chose. Et il va falloir que toi, tu te laisses emporter, tu vois, par la vague, mais ne te permets pas surtout, tu vois, des choses qui ne te rendent pas bien, qui ne te font pas du bien, tout simplement. D'accord? Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Ce n'est pas si négatif que ça, mais juste qu'il y a des choses qui sont là, tu vois, ouais, quoi, à retoucher, tout simplement, qui risquent de nous mettre en doute, tout simplement. D'accord? Donc, ouais, quoi. Et puis, c'est une notion de jalousie, hein, voilà. C'est peut-être cette personne qui est jalouse là, ouais. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, voyez. C'est quelqu'un qui vous aime bien, hein, qui est très amoureux de vous, mais qui est très jalouse. C'est une personne possessive, cette personne. C'est quelqu'un qui, ouais, quoi, qui va vouloir vous faire une scène, quoi. Et ça ne va pas vous plaire, vous. D'accord? Ok. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. On va se dire à la prochaine. Merci beaucoup. On se dit ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.